Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire RIP. RIP, c'est Routing Information Protocol. Nous avons une topologie ici. On a deux PC avec quatre routeurs. Donc, si on vient ici, on tente de prendre ping de ce PC. Voilà, il n'y a pas ping. Ici aussi, c'est pareil. Ici aussi, si on met 192.168, on fait ping. 192.168.1.2. Il n'y a pas ping aussi. Alors, nous allons configurer RIP. Après ça, il y aura ping entre eux. Donc, ils pourront se transférer des données. Donc, on vient dans ce routeur ici. On va dans mode 3. On fait conf. Une fois dans mode 3, on fait router RIP. Et on fait entrée. Une fois entrée, on fait network. La network. On va mettre d'abord le NetID de cette porte que vous voyez là. Donc ça sera 188.168.1.0. On fait entrer, on fait network encore. Et on a une autre porte qui est 00 ici, son NetID. C'est 192.168.2.0. On fait entrer. On a une autre porte en bas aussi, donc on va faire network. On fait 192.168.3.0 et on fait entrer. Donc on a fini avec ce routeur. On vient dans ce routeur. On va dans mode 3 et N. On fait config. On va faire routeur RIP. Donc, on fait entrer et on fait network. On met NetID de ce IP 192.168.2.0 entrée. On fait network encore. Et on met NetID de ce IP qui est 20.0.0. Point 0 entrée. Donc on a fini avec ce routeur. On vient dans ce routeur aussi. On va faire la même chose. On fait n config. Donc on va faire routeur RIP entrée. On fait network. On fait 192.168. 3.0 entrée. Ce routeur aussi a deux portes, donc on va rester ici. On va faire network et on va mettre l'ID de la deuxième porte qui est 10.0.0.0 et on fait entrée. On a fini aussi avec ce routeur, donc on vient dans ce routeur, le dernier routeur. Donc on va faire EN, on fait config. On fait router RIP entrée. Donc on va mettre NetID de ce IP qui est 20.0.0.0 entrée. On fait network encore. Et on met NetID de ce IP ici qui est 10.0.0.0 entrée. On fait network encore et on met l'ID de dernier IP qui est 30.0.0.0 et on fait entrée. La configuration est finie maintenant. Et si on se retourne dans ce PC pour prendre ping maintenant, et voilà, ça va passer. Donc on fait entrée et voilà, il y a ping. Donc, RIP est fait. Si on vient ici aussi, on fait
ping study IP de ce PC. Entrée, voilà, il y a ping aussi. Maintenant, pour voir le travail que nous avons fait, l'étape de tout ce que nous avons fait, on va dans mode 2 et on fait show IP protocol. On fait entrée. Et voilà tout ce que nous avons fait. Et on peut faire ça sur tous les routeurs aussi pour voir l'étape de tout ce que nous avons fait. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.